Coucou tout le monde, c'est Anna et on se retrouve pour une vidéo de Animal Crossing. Donc comme on peut le voir par ma coupe de cheveux, ça fait pas mal de temps que je suis pas connectée. D'ailleurs j'avais pas vu l'herbe de cette couleur et je la trouve très belle, cette couleur de vert. Enfin bref. On va voir nos lettres. Donc une lettre avec un cadeau. Ferme de trèfle. Chère Anna, merci d'acheter le produit de la ferme de trèfle. Veuillez accepter ce cadeau en témoignage de la gratitude du bon jardinage, la langue de... Ah bon, c'est quand on achète plein de fleurs chez machin. Donc, je croyais que c'était un autre truc, mais un autre service pour acheter des fleurs. Enfin, enfin bref. I don't know. Because I don't expert in Animal Crossing sur Wii. Ça peut penser que ça fait plein de temps que je suis pas connectée sur Animal Crossing sur DS et je vais avoir plein de modèles dans ma ville, c'est pas grave. Et une coupe de cheveux atroce. Bon, soufflez. Un arrosoir en argent, mais il me fallait ça moi. Super, un arrosoir en argent, c'est trop génial, je sais pas quoi faire, mais j'ai un arrosoir en argent, Bah du coup, un arrosoir en or, bon, déjà on va faire un petit tour de la ville. Déjà on va déplanter cet arbre. Non, ça sert plus à rien de l'arroser, il est un peu mort là en fait. Prendre la pelle, parce que la pelle ça sert beaucoup dans la ville. Je trouve franchement la ville, je la trouve superbe comme ça. Je préfère même peut-être ça comme ça que quand... Oh, un insecte. Je dois être la seule personne à Animal Crossing qui quand elle voit un insecte, elle lui court dessus. Hein. Enfin bref, je trouve la ville très belle, peut-être même plus belle que... qu'au printemps. En bref, l'insectofari plutôt. On est le 17. On est mercredi 17, non, c'est parce que j'avais lu samedi. Du coup, ça veut dire que samedi prochain, c'est l'insecto safari. Je sais pas si je ferai vraiment une vidéo dessus, on verra. Okay. Oui, bah, c'est l'anniversaire de Gogo. Le soleil brillera sur Exma. La lune d'automne illuminera le ciel nocturne. C'est bientôt l'automne. Attendez, c'est bientôt l'automne. Mais oui, c'est vrai, ça en plus, c'est bientôt l'automne. On est le 17. Bah oui, c'est dans 4 jours en fait, l'automne. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était le sport. Monsieur Morsicus, je sais plus ce que je vous ai donné la dernière fois. J'ai donné une fleur. Je crois que je vais pas donner ça encore. Monsieur, attendez, je vais vous donner une fleur pour vous nourrir. C'est très bon, c'est des légumes à manger. Des légumes à manger. Les légumes, logiquement, c'est à manger. Au cas où vous saviez pas. Tenez, monsieur, nos tulipes jaunes. Quoi? Mais tu ne peux pas manger ça? Comment ça, tu peux pas manger une tulipe jaune? Je croyais que t'avais faim. Non, mais il se plaint. Et après, il me dit, oh, je peux pas manger ça. Non, mais n'importe quoi. Je te donnais des pêches, hein. Je sais pas si je t'en ai déjà donné, je crois que oui. Mais... 40e rugissement. Les 40e rugissement, trop drôle. Bref, pourquoi je te donne ma pelle dorée? Tu ne mangeras jamais ma pelle dorée. C'est juste de la... C'est juste une pêche, hein. C'est pas... Bien sûr. Tu dois mettre ça ici. J'espère qu'il va me donner autre chose que ce coloriage. Ah, c'est un coloriage Charlie. Charlie, comme moi j'ai prononcé le mot Charlie, c'était magnifique. Il fait un peu peur quand même. Je viens de comprendre un truc. Si je fais genre hop, hop, copier. Oui. Pardon. En fait, après, je peux faire genre ça. Une grande artiste renommée internationale pour dessinage de coloriage. Non, purée. Non, en fait il y a un truc qui s'appelle bouton effacer qui ne sert à rien apparemment. Là et maintenant je vais faire ça
genre. Et voilà. Voilà, c'est très pratique ce bouton en fait. Voilà. Et maintenant, on va prendre un petit peu de noir pour colorier ça. Comme ça. On est un pirate actuellement. C'est très ressemblant, n'est-ce pas? Non. Purée. C'est moche, c'est tellement moche le truc. Changeons la palette. Non. Il m'a fait très peur comme ça, par contre. Voilà, tu es mieux comme ça, mon petit chéri. Ah là là, tu nous avais manqué. Oui, alors, si vous voulez. Là, les yeux de quelle couleur, Charlie? On va les mettre plus. Ça fait un peu peur quand même, hein? Ça fait un peu un genre de chat fatigué, en fait. C'est étrange. Voilà, et le fond, on va le mettre noir. Voilà! Et on va fermer ça. Tout de suite. Enfin bref. Donc on cherche la pierre magique en même temps. Parce que c'est jamais trop, Mimi Clochette. Ce n'est jamais de trop, les amis. Je vous apprends quelque chose actuellement. D'accord. Bah, en tout cas, ça sera pas celle-là. Tiens, oui, on était en quête des meubles Carla. Je suis en train de me rappeler de quelque chose là. En quête des meubles Carla, sachant que nous sommes le 27 septembre et que nous avons vu les meubles Carla pour la première fois en août, je pense. Meubles Carla devrait pas encore être parti, ce qui nous fait encore une chance de les avoir. Il faudra aller voir sur le compte combien que ça t'attend. Et je crois que chez nous, on a peut-être une perruque pour cacher ses cheveux horribles. On va aller voir ça tout de suite. Parce que là, c'est très bizarre. C'est trop moche pour être vu par quelqu'un. Même si on avait été vu par Morsicus. Pas grave. Morsicus, c'est un ancien pote à moi du lycée. Enfin, voilà, on était pas mal amis ensemble. C'est pas grave. Non, je suis pas du tout en train d'inventer quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Là, j'ai parlé tellement bien français. Ouais, je vais un peu loin quand même. Perruque baignée, est-ce qu'on aurait pas une autre perruque? Non, un chapeau classe. Non, le gros, ça sert à rien. Couronne royale. Il y a la couronne et la couronne royale, parce que la couronne n'est pas royale. Entendez-vous? Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais. C'est-à-dire qu'avec les cheveux, ça fait un peu bizarre. Non, on va mettre la perruque. Voilà, je suis toute mignonne avec mes lunettes. Et même quand on va mettre autre chose, on va mettre même des lunettes, comme ça on va être encore mieux. Monture tortue. J'aime bien la monture tortue parce qu'elle ressemble un peu à mes lunettes en vrai. Du coup, c'est cool. Enfin, pas trop en fait. Non, pas du tout même. Mais c'est pas grave. Non, en fait, ça va pas du tout en plus avec cette personne. Cette personne. C'est une perte. Enfin bref. Ouais. Ça, il faut le planter. Et les deux pêches, ça sera avant. Je pourrais ranger mon arrosoir en argent. Là. Et je vais vendre du coup l'arrosoir d'or, je pense. Ou que j'en fous. C'est bien. Je crois que cette lampe va pourrir ici longtemps. Hein. C'est pas pour vous décourager, les amis. Perfecto. Je crois qu'elle va pourrir ici encore un petit temps. Voire très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Je pense, personnellement. Je sais pas si on a vraiment des arbres qui sont plantés, qui sont poussés, mais. Oui, alors oui, je voulais dire un truc. Oui, ça fait un petit temps que je ne peux pas connecter Animal Crossing. Parce que.
ça fait un petit temps, oui, mais encore que. Oui, j'ai pas trop le temps de me connecter les. Enfin, pas, on va pas dire les jours de semaine parce que nous sommes le mercredi actuellement, mais. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce que. J'ai cours déjà, essentiellement. Du coup, j'ai pas le temps. Et du coup, ben. Sauf vendredi soir ou. Ouais, non, non, non. Ça servira à rien déjà, en plus il y a Koh Lanta. Non, je rigole. Si, si, en fait, je rigole pas. Non, bon, je rigole pas, il y a vraiment Koh Lanta, mais. Enfin, ouais, je regarde le premier épisode pour tout vous dire. Je suis arrivée après que ça ait commencé. Et je me suis endormie avant que ça ait fini. Super. Enfin, bref. Mais sinon. Je vais aller dans. Voilà. Sinon, le vendredi, le samedi soir, faudrait que je me connecte plus souvent, je pense, pour faire des concerts. Des concerts avec Kéké. J'ai un peu mettre au bord de la salle et chanter Kéké, you are the best singer of the life. La 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 la. La 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 la. Ça y est, on a écrit une chanson de fan à Kéké, il va être très content. Pour la traduction, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça fait, la chanson s'appelait Kéké, tu es le meilleur chanteur de la vie. La 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 la. Voilà. Je suis une grande compositrice professionnelle internationalement connue, appréciée par tous et toutes dans mon Animal Crossing. Ou pas. En bref, je me rends compte que je n'ai pas fait la pierre magique en chemin. C'est pas grave. Si on a un peu de chance, on n'est pas encore passé devant la pierre. Donc oui, j'avais dit que je ferais des sessions de Mario Kart. Vous allez dire, ouais, t'en as pas fait encore. Bah ouais, non. Non, parce qu'il faut du. Enfin, il faut du temps. En fait, il faut prévoir à l'avance les sessions. Enfin bref. Avec une personne qui m'a donné son identifiant, du coup, pas forcément, du coup. Je pense que quand j'aurai le temps, je dirais genre par exemple. Imaginons, je suis pas sûre, hein, mais imaginons que j'en fasse une samedi. Je ferai salut, enfin, je mettrai un message sur la chaîne, sur Twitter, sur Facebook. Je mettrai salut tout le monde, aujourd'hui à 15h, une session Mario Kart 8 est prévue. Si vous pouvez participer, n'hésitez pas à m'ajouter avant 15h de préférence. Et voilà. Et tu veux me parler. D'accord. Enfin bref, moi je disais. Oui, donc je ferai certainement une session de Mario Kart 8. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'ajouter, blablabla. Voilà, et donc voilà, et après, genre, je ferai, je pense, du mondial. Je ferai la session, ça sera du mondial. Et donc, du coup, ceux qui vont rajouter un ami, et ben ils pourront me rejoindre parce qu'on peut rejoindre les gens, sauf si c'est complet, auquel cas, c'est pas du tout juste pour les gens qui m'auront ajouté, mais c'est pas grave. Enfin, bref. Voilà donc, si j'ai le temps, j'en ferai certainement ce week-end. Et de toute manière, au pire du pire, j'en ferai pendant les vacances d'octobre. Bon, ça sera un petit peu en retard vu que les vacances d'octobre commencent à peu près un mois. Et que les annonces de la chaîne, c'est. Ouais, ça sera un mois en retard quoi. J'essaierai quand même d'en faire pour vraiment un an. Lucie, oh, elle porte ma t-shirt. Anna, désolée de te déranger, mais j'aurais besoin de ton aide. Ouais, on a un petit peu de temps devant nous pour chercher sa clé. Donc, hop, hop. Déjà, on va ranger les clochettes. On va ranger les clochettes. On va planter une fleur. On va planter une fleur. Et on va sortir la canne à pêche. Non, cette fois, pas de petite mise en musique. Après la mise en bouche, la mise en musique. Tintin tintin.
à planter la fleur quelque part où on la voit de préférence. Pour éviter de l'écraser par exemple à chaque passage. Je vais t'aider à la retrouver, Lucie. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. C'est pas un poisson, ça. Allez, essayons de pêcher sa queue. Faut quand même remarquer qu'à Aix, les perdages de clés sont constants. Hein. Je crois qu'ils sont pas très doués dans la vie. Hein. Faudrait bien leur apprendre à gérer leurs affaires et tout. Mais que fait le maire? Ah là là. Enfin bref. Non mais... Eh ben dis donc, tu l'avais perdu bien loin ta clé. Ah, je me demande bien à qui elle peut appartenir. Franchement là, question se pose trop. On va vérifier s'il n'y a pas un petit poisson, hein, au passage. Donc on a la pêche sortir, donc profiter. Hein. Ouais. Oh, un autre cochon, lol. Oh, un canon, vite, 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 sortir, sortir, sortir. Sortir, sortir, sortir. Où est le cadeau? Hey! J'ai cadeau, j'espère que c'est une super étoile. J'ai cadeau, j'espère que ce sera une super étoile. Bah non. Mais je vais quand même voir à quoi ça ressemble. Ça, je vais vendre. Ok, ça. Retirer l'équipement. Je me demande quand même quand monsieur, madame, quand la navette spatiale passe dans la ville. Parce que moi j'ai jamais réussi à la voir. Tiens, retrouver ta clé. Elles sont mignonnes toutes les deux quand même. Eh ben merci, ça me fait quand même 828 clochettes en plus pour moi, non, si c'est 27. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Pardon, je vais aller parler à Pauline. Oh, salut, Pauline. Non, je n'ai pas envie d'être pas, t'inquiète. Enfin, vivante. Ah, parce que tu pensais carrément que j'étais morte. Je dois le prendre comment? Est-ce que je dois dire que tu ne t'es laissé du souci pour moi ou que tu préférais que je sois morte actuellement? Enfin. Oh, ça a l'air sympathique, ça. C'est sympathique. Avec une bonne coupe de cheveux. Mais de toute façon, j'ai pas que ça à acheter, madame. Hein. Les trucs sont très cool, mais je n'ai pas que ça à faire d'acheter des trucs. Désolée, mais en ce moment, je dois me concentrer sur mon objectif principal qui est les meubles Carla. Donc même la coiffure, genre, on va la laisser comme ça. Ça me coûte beaucoup de vous dire ça, les amis, mais regardez cette perruque. Certes, cette perruque est étrange, mais on va la garder. En ce moment, notre objectif principal est de gagner un maximum de clochettes pour gagner les meubles de Carla. Monsieur, permettez-vous à dire sur cela. Blablabla. J'en ai rien lu. Enfin, j'ai lu. Ne t'inquiète pas, les filles et les insectes et les chasseurs et un truc un mot comme ça. Voilà. Bref, on va passer un petit peu aux objets trouvés. Pour voir s'il en trouve des trucs cool. Et je croyais que la dernière fois on avait envoyé des pièges. Vous avez le temps. Je crois bien donc. On va garder les pièges. Mince, non, c'est pas ça. Ben voilà quoi. J'en veux que je veux que 8, sachant que j'en ai déjà 0. 1, 3, 4. Mmh.
Voilà. J'en achèterai peut-être un ou deux. Mais plus tard, parce que ça fait pas trop longtemps, je crois qu'on avait fait une partie. Ah ouais, ce flambeau ne va pas trop me servir. Donc, je vais le voir. Là. Voilà, des petits trucs quand même. Je crois que je vais sortir surtout mon filet et pas ma pelle. Ça sert un peu à rien la pelle, alors que le filet ça sert beaucoup. Enfin bref. Voilà, donc on va aller vendre tout ça. On va aller vendre tout ça, donc allons-y. Buongiorno, Tom Nukem. On lui lance un bonjour très enthousiaste, avec un petit peu de coin d'Italie. Quoi bien. Il est quand même vachement cool ce canapé. Moi je dis ça, je dis rien. Moi j'ai des trucs à vous vendre, vous. Mes petits copains. Vous êtes très petits quand même. Je sais pas quel âge vous avez, mais merci, si. Elle peut autre chose. Non, ça, les gens qui parlent comme ça, en vrai, ça doit être très foulant quand même. Merci beaucoup d'avoir donné science. À la base, je ne devais pas chanter cette chanson avec le mot science. Mais bon. Point visiteur, un à 17 ans, je gagne 3 points, mais non, l'index. Ah, j'ai 900 points carrément, et. C'est trop stylé là, la manière où c'est. Juste tout. Ok, ben, je suis loin encore des 800 points. Mais je crois que ce qu'on va faire, c'est que. On doit débloquer un nouvel objet, on ne le commandera pas directement. On va genre attendre. Qu'il soit bien. On va genre attendre de tous les débloquer les. Parce que je crois que c'est à partir des points. Comment dire. Des points. C'est à partir des points. Enfin, pas des points en total. Des points. Je sais pas comment dire. Je suis concentrée sur mon insecte là. C'est à partir des points temporaires, on va dire. Des points qu'on perd. Enfin, pas du total, voilà. Voilà, enfin. On va aller essayer de devenir musée pour finir cette partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le prochain est à 800 points. Déjà, on a que 400 points, donc on est mal déjà. Hein. Je tiens à préciser cela. Surtout que j'essaye de me concentrer sur le mob car là, du coup, ça va être chaud. Mais je vais faire un petit tour à la meilleure. Mais voilà. Et thank you.
362. Oui, donc 2362. Ah, du coup, non, plus. Ah là 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 là, complication. Celui-là c'est 5562 je crois. Voilà. Non, c'est pas ça. Là, là, là. Mais non, c'est pas 7. C'est 8. C'est 8, je crois. 8562. Ben non, alors c'est pas 8, c'est 7. Ah bah oui. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Apprenez les maths avec Anna. Voilà, malgré le problème de maths qu'on peut le voir. Donc voilà. Donc nous avons 75 000 clochettes sur le monde, qui est quand même une somme considérable, moi je dis. Enfin, je dis ça. Oui, je devais aller tenir ça au musée pour finir la partie. C'est une partie quand même assez longue, hein. Je n'avais pas prévu si longue à la base, mais. Assez longue. Bon, on va prendre un petit café, on va voir s'il y a du monde au café, puis on va prendre un petit café. Même si on doit se concentrer sur le look, car là, on peut prendre un petit plaisir, de temps en temps. Oui, s'il te plaît. Bref. Allez, bois avant qu'il les refroidisse. Merci, monsieur. Comme si tes papy avait pris des vacances. Bon, de pas. De rien. Ciao. Ciao. Et maintenant, petit cadeau au musée. Oui, enfin, c'est pas comme si tu dis ça pour tous les insectes, hein, c'est ça. Tu dis juste qu'ils font tous peur, qu'ils sont tous répugnés, qu'ils sont tous. Voilà. Qu'ils sont tous. Ouais. Enfin bref. Voilà, donc on va arrêter la partie ici. Ça fait déjà 30 minutes presque. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Allez, à bientôt tout le monde.